Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 9 de la carrière avec le Royal Antwerp. Et oui les amis, nous sommes de retour et après cette magnifique victoire face au leader 4-0, on se retrouve pour jouer contre le OHL U23. Ils sont 4e, attention, et Oegstraten, ils sont 10e. Donc deux matchs aujourd'hui au programme. Et oui, on approche de la fin de cette saison. On revoit le classement. Lors du précédent épisode, on a gagné une place. On n'est plus qu'à un seul point de la 17e, donc de la zone barragiste, mais on peut avec facilement 3 points et des scores en notre faveur dans les autres rencontres passer 15e, 16e voire 14e, hein. Donc c'est plutôt positif, je suis très content. On voit ici Vilsain, un meilleur buteur de la National 1, ça fait plaisir ça aussi. Donc on va essayer de rester sur cette dynamique qui est plutôt bonne, hein. Deux victoires consécutives là, on va essayer d'enchaîner avec ces deux matchs. Alors on est parti les amis, réunion tactique, sélection de l'équipe, elle est déjà faite, hein. Retour de Nsimba dans notre 11. Donc Nsimba, Vilsain, Valencia, ça promet une attaque de feu, le milieu de terrain ça bouge pas, en défense ça bouge pas, on est parti dans ce match. OHL, hein, on se rappelle de notre premier match en tant qu'entraîneur de Royal Antwerp. C'était contre OHL et on avait gagné 1-0 chez eux. On va essayer de répéter cette magnifique victoire qu'on avait fait. Allez, nous sommes sur une bonne série. Je veux un gros match aujourd'hui. Je sais que vous pouvez faire la différence. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Allez, coup d'envoi ignoré. Et c'est parti. Supporters aussi, on fait le déplacement ici. Alors qu'il pleut. Ah, dommage, dommage, là, Vilsain, il n'est pas parti. Allez, Valencia peut-être. Pour Corbani, Keita, Corbani. Oh, c'est bien, Valencia dans le dos. Oh, il n'arrivera pas à centrer correctement. Krasnik peut-être. Dans la surface. Vilsain, oui, let's go. Encore lui. Let's go. Merci, Vilsain. Et ça fait 1-0. Nsimba, il est cuit déjà. Ah, parce qu'il est blessé, il a dû prendre un coup. Alors bien joué ça pour Krasnik. Il a de l'espace, hein. Il va débouler ce côté, ce flanc gauche. Chala, Chala. Ouf, dommage. Peut-être maintenant avec Valencia. Ah non, Zanan. Pour Valencia, rester devant. Oui, 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 let's go, souci, 2-0, 20 rouges. Ah, je suis fier de mes joueurs là, je suis très fier de mes joueurs, on peut les féliciter, hein. Ah, c'est du haut niveau là. Oh, on n'arrive plus à ressortir là. Il faut défendre, là, il faut défendre. Oh, les bâtards. Oh, non. C'est dommage, là, c'est dommage, encore une fois. Dommage, on gagne 2-0, on va les encourager. Oh non, ne me dites pas qu'on va se prendre une remontada. Oh non. Oh le poteau. Oh le poteau. Oh le poteau. Allez, dégage-moi ça là. Bon, au moins on perd pas, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Mais bon, c'est dommage quand même, on gagnait 2-0. Allez. Allez, peut-être une dernière action, Valencia. Sur un coup de génie. Ben Ahmed. Pour un centre. Bon, un point. C'est mieux que 0. Hein. Ah, c'est dommage quand même. Soulagé car il ressentait de la nervosité. Non, pas affiché notre meilleur visage, mais je suis heureux du résultat. C'est pas grave. C'est quand même un point face au quatrième.
Par contre, Ral, ils ont fait quoi? Ral, ils ont perdu. Bon, bref, on est à 2 points de la 17e et de la 16e place. On y est presque, les amis. On y est presque dans cette zone de barragiste. Un match nul frustre, ouais. Blessé, 4 à 5 semaines. Cheville tordue. Nsimba, 2 à 3 semaines. Aïe. Ah, ça, c'est un coup dur. Hein. Ça, c'est un coup dur. Ok, on y est, les amis. Face à Oogstraten. Chez eux. Ça va être dur, mais c'est possible. Tout est possible. Et en plus, viser, ils ont perdu. Viser, ils ont perdu. Donc, on peut passer à 35 points si on gagne. Ok, on est parti, les amis. Je pense que je peux pas faire mieux. J'ai fait quelques changements. Il y a un peu de fatigue. On a enchaîné des matchs tous les 3 jours. Donc, forcément, ça se ressent là en termes de conditions physiques. Il y a juste les centraux. Je vais pas les toucher. Mais on a un défenseur central sur le banc. Bon, on est parti, les amis. Ça va être compliqué. Même Valencia, il est un peu fatigué. Mon petit Jules. Oh, ils sont en forme. Hein. Eux, ils sont en forme, eux aussi. Ça va être un match compliqué. Mais on y croit. On y croit toujours. Comme je le dis, je le répète. On continue d'attaquer, on continue. Ah, et ça va être récupéré par Driessen, attention. Ah là là là, tu domines. Et une action, un contre. Ah oui, à droite. Allez, face au gardien. Oui, let's go. 20 mouches, égalisation avant la mi-temps. Oui, monsieur. On va me féliciter, lui. C'est bien, mon petit. Super. Allez, Valencia. Ouais, il n'y a personne. Allez, presse. Attention à Hoffman. Non. Ouf, on a eu chaud. Allez, posez-moi le jeu par terre, les gars. Voilà, Benhamed, reviens, la perds pas. Voilà. Vince, lui, il fait que allonger. Tout le temps, il allonge. Mais c'est incroyable, consigne individuelle. Prenez moins de risques, déjà. Oh bien, allez, Aziz. Allez, Muratage. Oui. Oui, let's go. Oui, monsieur. Oh là là, Muratage, il nous fait une Lionel Messi, là. Allez, maintenant, on reste en place. Normal. Tenir des coups de pied arrêtés. Oh mon dieu. Passe en prudent. Gagne du temps fréquemment. Oh, la victoire la plus importante, je crois, c'est celle-ci. Hein. Oh oui. Oh mon dieu. Putain, magnifique victoire, bordel. Magnifique victoire. Ouh, quel exploit. Oh là, encore une fois, que des exploits. Ouh. 15e, les amis. Voilà,
la place Wii U où on devrait être depuis le début. Liège, ils ont fait match nul. Donc, waouh, 35. Ouais, mais ce championnat, il est complètement fou. Rennes, ils ont fait match nul. Et Visé, ils ont perdu. Wesh, 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui ont le même point. Oh là 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 là, ce championnat, il est dingue. Oh. Incroyable. Youngres garde la tête hors de l'eau. Ah bah pour l'instant ça va, hein, mais après Knock ils ont pas joué. Ah bah si, ils ont gagné 3-2. Et il leur manque un match en retard. Oh putain, incroyable les amis. Hein. Un nul et une victoire aujourd'hui. On est sur une belle série encore une fois. Donc prochain épisode les amis, on enchaîne, on est bientôt sur la fin. Hein. À mon avis, on fera DCL Sport, donc ils sont 6e, on les joue à domicile, et Charleroi, ils sont 5e, donc deux gros matchs ici. Ouais, ça va être chaud. Hein. Et après, on fera... Donc ça sera le prochain épisode. Après, on fera 3 matchs, et on fera le dernier épisode, les deux derniers matchs. Putain, ça va être chaud, le 6e et le 5e. Après là, 14e, 10e, 3e. Putain, bon, à domicile, faut qu'on gagne. Hein. DCL Sport. On est en... On a pris le club ici. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 matchs. 17 matchs. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires sur 17 matchs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défaites. Déjà, on a plus de victoires que de défaites et un match nul. Je pense que c'est plutôt positif. Vision du club. Ah, c'est plus consterné, c'est déçu. Et on est en B-. Bon, ça monte. Dynamique de groupe. Bon, malheureusement, vous avez une réputation assez faible par rapport à celle de vos joueurs. On est toujours en soutien de l'entraîneur. Pas ouf. Mais là, atmosphère au club, ça va mieux. Cohésion d'équipe, c'est bien. Ouf. Bon les amis, impeccable. Voilà, c'est la fin de cet épisode les amis. J'espère que t'as kiffé encore une fois. Moi, je prends énormément de plaisir. C'est une régalade. Bon les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner comme d'habitude. Je peux compter sur vous ou pas? Merci les gars. En tout cas, vous êtes des boss en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Franchement, ça me touche. Ça me fait énormément de plaisir. J'espère qu'on va pouvoir atteindre bientôt les 500 followers. En tout cas, c'est l'objectif. Merci à tous les gars. Et revenez au prochain épisode comme d'habitude. Ciao, ciao.